Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur la chaîne là, que vous avez une information sans problème. Les réactions, moun qui gen kòp nan men yo k ap fè lobby pour Ariel Henry. Exemple, comment monsieur ça, donc ça arrive? Qui te fait déclaration pour États-Unis. Hein? Nous tentons déclaration Antonio Guterres. Et ça qui est plus drôle, ça qui est plus grave, c'est l'entendre comment le président Biden, monté sous tribune Nations Unies, a crié pour être qui ça. Parce qu'il y a deux trois manifestants qui entrent dans le conseil de vieux des copains, qui le conseil de vieux, ça qui respire. Et puis, Donald Biden tant de mounio al pas sacri ça, et bien il tombe de faire déclaration pour la presse sanction contre moun qui t'a manifesté, de moun l'autre bord, c'est à l'étranger, secteur économique, t'a financé manifestation en Haïti. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que Biden, administration Biden, non, qui témoigne tout ça, on les quatre corrompus au fait en Haïti. Les pas jamais prennent sanction ni de la condamner. Mais pour le temps de ces populations qui réagissent, qui ont manifesté, eh bien, ils ont été employés non seulement par l'argent pour la police des bons moyens pour reprimander avec la violence avec, mais pour montrer que M. Ariel Henry, de Sipol, eh bien, ils ont dit qu'ils ont condamné. Nous-mêmes, nous avons dit, monsieur international, ils n'ont pas condamné parce que. Il y a deux trois boutiques qui pillaient sous Delma, ou bien deux trois boîtes l'État qui saccageaient. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas ça que c'est ton avis. Mais la communauté internationale a réagi. Mais c'est Antonio Guterres qui réagit parce qu'il apprend deux fois ça dit que nous avons un bureau PAM qui est le programme alimentaire mondial qui a déchouqué. Et bien, mais ça qui portait toute réaction. Ça. Mais la réaction n'est pas venue parce qu'il y a des bons peuples qui n'ont pas souffert. Réaction n'est pas venue parce qu'il y a des bons peuples qui n'ont pas insécurité. Réaction n'est pas venue parce qu'il y a des bons peuples qui ont déchouqué. Ils ont séquestré à ciel ouvert. Réaction n'est pas venue parce qu'il y a des bons peuples qui n'ont pas de même opportunité pour circuler librement. Réaction n'est pas venue parce qu'il y a des gouvernements qui prend un pays en otage, qui refusent de renforcer les institutions pour organiser l'élection pour permettre la stabilité, la paix tournante de pays. Réaction pas venue parce qu'ils ont rendu compte la misère, la pauvreté que la politique les États-Unis n'ont pas appliqué en Haïti. Fait près de 20 à 30, 40 000 personnes après leur mère sous vote pour aller en bas pour Texas, pour aller en République Dominicaine, pour aller chez lui, pour nous dire bon, il a défini une coopération avec Haïti pour voir comment nous avons créé un emploi, nous avons créé une richesse, nous avons créé une opportunité pour que Haïti s'arrête la caillou. Ce n'est pas là la réaction venue. La réaction venue parce que les apprennent que deux fois ça dirige qui te demande pour pas. Espirer, sentir que malgré les Nations Unies, elle a mobilisé le monde pour ramasser 50, 30 à 40 millions de dollars dans non Haïti, après deux fois ça dirige qu'ils viennent la guerre dans des dollars. Mais ce qui est plus grave dans la question, je ne dis pas que Caritas tape le manger, il tape le peuple. Non, ce n'est pas ça. Mais je dis pour moi, je t'ai montré humain, je t'ai montré sens humanitaire. Je ne vais pas quitter tout prisonnier pour mourir dans la prison sans manger, alors que vous avez tout dit, ça vous a perspiré dans la prison. Comment je t'ai montré ça? Je t'ai fait geste ça même pour prisonnier. Eh bien, je dis d'abord à pays. Témoignage de solidarité. Administration Biden à M. Ariel Henry, c'est un témoignage et implication administration Biden dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Parce que notre FBI, la CIA et d'autres personnalités importantes qui travaillent dans l'administration Clinton, Biden, connaissent parfaitement l'implication de M. Ariel Henry dans l'assassinat de Jovenel Moïse. D'ailleurs, les pour Biden, les pour le grand groupe mandé à Ariel Henry pour former le gouvernement, c'est le représentant l'OEA en Haïti qui fait Claude Vin Lakaili dans le bureau OEA pour montrer que c'est Ariel Henry qui gagne en pliation.
pour aller dans l'intégration, il faut que vous puissiez gagner une investiture. Comment nous comprenons? Si vous voyez 1 000, 2 000 $ aux États-Unis, 3 000 $ aux États-Unis, vous avez ensemble de formes d'explication pour l'emploi. Pour qu'on ait moun qui a recevoir comme là, côté l'été, ça va le faire, qui relation avec lui, qui rapport avec lui, soi-disant pour question blanchiment d'argent. Pourtant, même l'administration Biden, ça, sous l'administration Biden, il y a plus de 20 à 30 millions de dollars qui transféraient sous compte aux États-Unis pour planifier l'assassinat de Jovenel Moïse. Pas gagné dit. À nos jours, l'administration Biden, pourquoi j'en dis? Mais qui banque qui te recevra comme là, et mais qui banque qui transfère comme là, et mais qui banque qui recevra l'argent. En notre cas, planification pour tout le président dans le Caraïbe là, pas qu'à faire sans l'aval administration américaine. Pour qui ça me dit ça? Pour City You, qui a une base de Floride, pour recruter près de 20 à 30 mercenaires colombiens sur le territoire américain, il n'y a pas qu'à faire sans CIA et pas au courant et pas vous dire tout. Et il y a recruté avec objectif de te connaître que Michel Vindou est président de la Caraïbe. Les États-Unis épargnent président ukrainien Zelensky près de 10 tentatives d'assassinat dans moins de mois. Alors qu'elle partage un gouvernement avec Jovenel Moïse qui débine Madame Larine, entre parenthèses Madame Larine. Ils ont partagé un gouvernement, ils ont assassiné le président, Madame Lalim pas dénoncé, et les États-Unis pas empêché tentative, pas empêché assassinat fait. Je dis, ça y a fait, même quand ils ont fini tous les journaux, ils vont espérer aussi à FBI, venir prendre le dossier. Venir prendre tout le monde qui participe à l'assassinat pour aller faire la protection de l'autre bord. Ça que fait me dit pour la protection, moi songe en 1994. Les blancs débarquaient, ils ont mis au frappe, ils ont dit frappe, tape tout le monde, frappe, tape ceci, frappe, tape cela. Ils ont pris tout document, frappe, ils ont voir avec, ils ont dit, ils ont pris la enquête. Ils ont arrivé, ils ont confisqué le dossier. À nos jours, pas de juge, pas de procès fait pour les gens qui étaient impliqués dans le sac, dans la frappe. Mais c'est même bagarre qu'ils ont fait là, je dis. Ils ont estimé, Jovenel Moïse tape pour ton message. Jovenel Moïse a pris des décisions à prendre pour permettre. Que définitivement Haïti met la caillou, eh bien, ils mettent la caillou, ils mettent la relation dehors, ils mettent puissance sur dehors, ils assassinent Jovenel Moïse. Mais ça n'a pas dit rien, je dis, après assassinat Jovenel, situation extrêmement difficile pour la population, ils mettent un gaz, montent un gaz, 17 autres qu'ils ne disent pas qu'à payer un gaz là, libre la rue d'aller manifester pour dire non, ils n'ont pas qu'à accepter comme ça, eh bien, qui monte Jodia qui a pas de pression, qui monte. Tant autant de secrétaire général des Nations Unies, nous devons que tout le monde connaît déclaration ça, c'est des déclarations payées. On ne pas dire Joe Biden touché, mais bon qui écrit discours pour Biden, il même qui ne parle dans la gauche. Parce que l'ensemble des gens qui ont fait lobbyiste, qui ont ramassé l'agence, voyez Biden de l'autre bord pour faire lobbyiste pour eux. Et c'est ça qui explique où est question ça qui dit pas intéressé Biden à plus haut niveau qu'elle t'attendait. Que de un génocide en Haïti. Eh bien, nous-mêmes, la boumé, la dit tout le monde, font ma casse. Nous qui pour nous mener au combat. Combat, c'est pour nous mettre la caille, nous. Combat, c'est pour nous vivre dans le monde. Combat, c'est pour nous revendiquer souveraineté, nous comme peuple, pour nous vivre la caille, nous. Et pour nous battre, pour nous créer des conditions, pour nous qui prennent humiliation la caille voisine, qui prennent humiliation chez lui, c'est domaine, pour nous envie de tourner la caille. Nous ne pouvons pas pour nous prendre pression. Lorsque nous disons, nous manifestons, nous faisons soulèvement. Pour nous forcer au gouvernement, bah nous, ça revient nous de droit. Non, les États-Unis ne sont pas pour la pression, ils ne sont pas pour la menace, ils ne sont pas pour la intimider nous à partir de puissance. Parce que si les États-Unis tapent de nous, ils ne sont pas là nous d'ailleurs. Nous finissons pour nous dire, dernier coup tout est pour quoi? C'est que c'est une rencontre Ariel Henry avec M. Elon Musk, qui est un milliardaire. Afrique du Sud. Monsieur Ariel Henry, dans jeudi, l'a négocié pour permettre Yokebel sous pouvoir, l'a négocié ressources sous son nom avec Monsieur Sahar. Monsieur Sahar, c'est lui qui est compagnie qui est
espace mixte, espace Tristan qui pour spécialisation, qui pour compagnie qui a spécialisation, non, fait ça ou refuser à ou passer à monde qui parle non dans l'espace, dans masse. Maintenant, vous estimez que les deux pays qui ont été c'est l'Afrique du Sud, c'est Haïti. Eh bien, c'est non ça qui exploite minium et iradium Afrique du Sud là. Monsieur Ariel Henry a une négociation avec Monsieur Sahara et dans la discussion que vous faites, vous négociez, vous tellement travaillé sur le dossier, vous dites, vous avez calculé l'iridium, vous dites, gramme iridium dans 6 000 $ américains, vous dites, tonne iridium dans 45 millions $américains. Ariel Henry négocié avec Elon pour l'État ici bénéficier. 2,5% dans ton iridium 45 milliards de dollars. Avec dit Haïti a 2,5%. Kounyara, pour qui ça? Toute discussion ça, c'est juste Ariel Henry monté avec un pile de difficulté. L'Igo et Pédamocle sous tête qui participe à l'assassinat président. Dans le chercher protection de mes blancs, et bien la liquidité richesse pays, la liquidité sous-sol ressources pays. Et bien c'est peut-être ça matin, nous dit pays. Nous avons mobilisé pour gaz, c'est vrai, mais il y a des choses qui sont plus graves que passent dans le pays. Il faut que nous prenions disposition pour nous tenir mobilisation jusqu'à ce que nous mettions M. Ariel Henry. D'ailleurs, pour un gouvernement techniquement responsable, politiquement conscient, qui est capable de transformer tête libre en un véritable interlocuteur pour discuter avec la communauté internationale là, pour permettre nous rafler le pays vers la stabilité et politique, pour nous voir comment nous avons posé problème social et économique pays, pour nous retirer le pays dans le salaire à partir de ça. Ça veut dire que fini pour nous dire pays. Militants, femmes et garçons sous barricade, qui manifestent dans 4 pays. Pas pour une intimidation. C'est que la mobilisation, nous comptons côté nous sortir, nous comptons ça que fait notre gourmet, tout autant nous pas arriver côté nous aller. La nuit de lundi 26 pour entrer mardi 27 septembre 2022, 4 prisonniers mourus à cause d'un problème de la santé dans la prison civile Tigouavla sur route nationale numéro 2. Plusieurs hôpitaux à Campil, bureau, plus gros business décident de fermer porte ou bien ils sont capables de suspendre le travail à cause de ratement gaz là qui a persisté depuis plusieurs mois sur le territoire national là. Mardi 27 septembre 2022, yon moun mouri en babal et puis yon l'autre blessé tout en babal dans zone Gatko, Gonaïve, département la Tibonite, dans cadre mouvement protestation contre gouvernement de facto. Mardi 27 septembre 2022, la police nationale gaillé à gaz lacrymogène, plus balle li tiré en l'air dans zone la marine haïtienne, bisouton, yon manifestation, plusieurs milliers moun qui t'est sorti encore dans la commune Kafou, a protesté dans l'aria malgré la pluie qui était commencé à tomber. Ministère de l'Éducation nationale levé la voix contre le kidnapping bandit à examen fait week-end passé à sous 6 employés ministères dans Port-au-Prince. Les 3 qui guettent lagué. Ministère de l'Éducation nationale profite tout dénoncer menaces plusieurs écoles à Sibi sous territoire national là. Même Jean avec lundi 26 septembre 2022 à toute activité bloquée dans le pays d'Haïti. Mardi 27 septembre 2022, qui c'est deuxième jour grève générale, plusieurs syndicats chauffeurs transport public ont été lancés contre décision montée prix gaz là sur le territoire national là. John Lé Pierre, tout le monde connaît son nom Lélé, qui est chef gang à Trois-Rivières, dans Port-de-Paix, département nord-ouest pays d'Haïti, mourit dans Boukanta et Koudzam avec la police lundi 26 septembre 2022 dans Port-de-Paix. Dans l'opération, la police a arrêté Elder Saint-Il, 19 l'année, avec Hamès Eugène, 32 l'année, les suspects quittent un cocodile à gang examen Trois-Rivières. Économiste Fritz Alphonse Jean, qui est président élu qui soutient l'accord Montana, disait organisation Tessie, en date 30 août 2021, voyons Coutrel, Chita attendait en toute force dans le pays d'Haïti. Objectif, arriver dans un niveau tête ensemble qui a mené dans la paix sociale sur le territoire national là. Plus passé, 1,5 million moun sibi en pile directement en Bazak gang examio dans le pays d'Haïti cap vivre une situation humanitaire tête chargée. La troublaille qui gagne dans le pays d'Haïti dans jou sa yo vini tout de suite après un autre appel dans date 11 septembre 2022. Ariel Henry t'a lancé un appel chita attendé pour établir conditions politiques et sécurité nécessaires sous base constitution pour arriver dans l'élection finissement l'année 2023 dans le pays d'Haïti.
Ces déclarations devant Conseil sécurité Nations Unies, américaine Hélène Meguiar-Lalime, qui est représentante spéciale secrétaire générale organisation Nations Unies, chef bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, tout le monde connaît son nom binu. Condition temps, toujours un gros coup de vent avec possibilité de la pluie à l'oreille sur la plupart des départements pays d'Haïti. Cyclonien commencé loin d'île Haïti à mardi 27 septembre 2022. Ça va empêcher gain activité la pluie qui marche à l'oreille dans après-midi à Kassoué sous département nord-est, nord, plateau central, la Tibonite, sud-est, sud, Grand-Anse à l'ouest, côté nous jeunes, zone métropolitaine Port-au-Prince. Gain soleil à gros coup de vent cap continue souffler sous département pays d'Haïti pendant journée 1. Sorti dans niveau 34 degrés Celsius, température pour descendre entre 26 pour 20 degrés Celsius na soir. La mer a toujours mauvais en pile bo toute côte sud pays d'Haïti. C'est pour ça capitaine bateau chaloupe bois fouillé yo doit continuer prendre précaution nécessaire sous la mer. Vague a monté dans niveau 8 pieds hauteur bo côte sud pays d'Haïti. Dans chapitre la santé la nuit 26 pour entrer mardi 27 septembre 2022. 4 prisonniers mourir à cause de problèmes de la santé dans la prison civile Tigouavla sur route nationale numéro 2A. N'a pas rappelé, ça fait plusieurs mois qu'il y a plusieurs prisonniers qui mourent dans la prison civile Tigouavla. Toujours dans le chapitre la santé, plusieurs hôpitaux à campé gros business, décide de fermer portio ou bien yo capable pas en mesi bay service encore, yo capable suspendre travail à cause de ratement gaz là qui a persisté depuis plusieurs mois sur territoire national là. Il y a plusieurs hôpitaux, bureaux, services et entreprises qui forcent fermer les portes dans le mois de septembre 2022. Il y a qui suspendent les services ou bien ils annoncent qu'ils ferment les portes à cause qu'ils n'ont pas de gaz encore depuis plusieurs mois. Dans diverses stations services, pas de gaz d'après diverses informations Alter Press et Alter Radio ramassées. Situation ratée de gaz qui a persisté ça depuis plusieurs mois. La cause grave conséquence au fonctionnement de l'hôpital. Tant que organisation Nos Petits Frères et Sœurs avec Fondation Saint-Luc, l'hôpital Saint-Damien avec Saint-Luc avec Centre Physiothérapie Saint-Germain menacé suspendre toute activité yo à cause yo pa gen gaz d'après un coutrel organisation sa ou te voye dans une note. Réserve stratégique gaz yo qui était disponible dans centrale énergétique Smart Grid dans Fondation Saint-Luc qui te permet yo approvisionner de l'hôpital yo avec Centre Physiothérapie dans énergie électrique presque fini d'après sa organisation Nos Petits Frères et Sœurs rapporté. Même Jean avec lundi 26 septembre 2022 à toute activité ou bloquée dans le pays d'Haïti mardi 27 septembre 2022 à qui c'est deuxième jour grève générale plusieurs syndicats chauffeurs transport public t'es lancé contre décision montée prix gaz là sur territoire national là. Route était toujours bloquée avec barricade dans niveau commune Carrefour dans site capitale là au Cap Haïtien dans nord dans Gonaïve avec Saint-Mac dans département la Tibonite dans Tigouave, dans Port-au-Prince, sur route nationale numéro 2, dans Miragouane, département NIP, avec dans Mibale, dans bas plateau central. John Lepierre, tout le monde connaît son nom, Lélé, qui est chef gang, Trois-Rivières, dans Port-de-Paix, département nord-ouest, pays d'Haïti, mourit dans Boukanta et Koudzam avec la police, lundi 26 septembre 2022, dans Port-de-Paix. Dans l'opération, la police a arrêté Elder Saint-Il, 19 l'année, avec Hamès Eugène, 32 l'année, les suspects qui t'a dans Kokodai à gang examen Trois-Rivières. Dans le chapitre politique, économiste Fritz Alphonse Jean, qui est président élu qui soutient dans l'accord Montana, plusieurs organisations tessiennes, dans date 30 août 2021, voyons Koutrel chita attendait en toute force dans le pays d'Haïti. Objectif, arriver dans un niveau tête ensemble qui amène dans la paix sociale sur le territoire national là. Plus passé 1,5 million moun sibi en pile directement en bas à gang examio dans le pays d'Haïti cap vive yon situation humanitaire tête chargée. La trouble qui gagne dans le pays d'Haïti dans jou sa yo vini tout de suite après yon lot appel nan date 11 septembre 2022 a yel an été lancé yon appel chit attendé pour tabli conditions politiques ak sécurité nécessaire sous base constitution pour arriver dans l'élection finissement l'année 2023 dans le pays d'Haïti. Ces déclarations devant Conseil sécurité Nations Unies américaine Hélène Meguiar-Lalime qui est représentante spéciale secrétaire générale organisation Nations Unies avec chef bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, tout le monde connaît son nom binu. Pendant l'intervention li 26 septembre 2022 américaine Hélène Meguiar-Lalime parlait de trois crises qui mélangeaient une manière qui baille qui sautait une crise violence et insécurité yon crise économique ak yon crise politique d'après ça li fait konnen nan expose li an.
Toujours dans le chapitre insécurité, ministère de l'Éducation nationale levé la voix contre le kidnapping, bandit examen fait, week-end passé à sous 6 employés ministères dans Port-au-Prince, gen 3 qui gen tan lagué. Ministère de l'Éducation nationale profite tout dénoncer menace, plusieurs écoles absibi sous territoire national là. 3 employés sa yo rive sauvé grâce à aide de la police. Ministère a mandé pressé libération 3 autres employés yo qui étaient mobilisés pour bail service ak enseignant yo. Ministère a dit climat insécurité ça ka gen gros conséquences sur entre l'école là. Ministère a rappelé gen environ 30 l'école qui déjà subi attaque et même rivé perdre matériel yo tant kou ordinateur, livre, fourniture scolaire, banc, archive ak l'autre matériel qui était là pour service timoun yo. Tant kou dépôt manger pour cantine scolaire yo qui pillé, ministère a présenté bay toute victime l'école yo. Ministère a mandé tête ensemble pour yo capable protéger l'école yo. Parce que nous toutes, nous gagnons seule responsabilité dans l'intérêt de Timon yo avec la société. Le ministère a dit que le kidnapping qui fait sous l'emploi de yo a des conséquences sous planification entre l'école là dans la date 3 octobre cap vini là. Il y a un ouragan catégorie 3 provoqué des dégâts considérables pendant le passage de dans l'ouest pays Kiba, à Rafale qui allait jusqu'à 208 km et puis la pluie tout avant de mettre cap lié Floride pays États-Unis. Cet ouragan quitte territoire national là à 9h50 aux environs Puerto Esperanza dans la province Pinal del Rio. C'est sa institut météorologique qui ba fait connait. Pas gain aucune victime pour Kounia d'après autorité qui benyo, mais vent violent avec gros la pluie a persisté dans l'ouest zilien côté plusieurs localités montrent visage désolation d'après sa journaliste AFP constaté. Dans Consolation del Sur, à 145 km sud-ouest la Havane, Caridad Fernandez, 65 l'année, te wèf do kailien endommagé en pile et puis glotté entré dans porte principale là. Tout bagay abîmé, c'est ça, sexagénéen, te fait connait. Président américain Joe Biden a recevoir homologue français Emmanuel Macron 1er décembre dans Maison Blanche pour ça qui a pris une visite d'État. C'est sa porte-parole Maison Blanche a annoncé lundi. Visite ça a témoigné profondément tout vigueur relation entre États-Unis et la France. Allié nous ça gain longtemps déjà. C'est ça Karine Jean-Pierre déclaré. Afrique, ancien dictateur guinéen Moussa Dadis Camara, plusieurs l'autre monde qui était accusé ensemble avec elle, ouais, yo voye yo dans prison mardi 27 septembre là avant au juge yo à partir mercredi pour massacre qui était fait 28 septembre 2009 d'après sa avocat au fait qu'on est. Procureur a été fait embarquer 6 clients nous dans maison centrale là côté yo tap kembe yo jusqu'à fin procédien. Ça veut dire procès on dirait qui pas déterminé. C'est ça un avocat ou déclaré qui s'est mettre ça les fou bien avogi by journaliste devant tribunal là. Dans le chapitre la santé COVID-19 Pfizer mandé autorisation pour le capable vacciner tout le monde entre 5 rivé 11 l'année dans pays États-Unis. Pfizer a BioNTech mandé autorité sanitaire américaine lundi pour autoriser vaccin contre COVID là qui visait surtout variant Omicron pour tout le monde 5 rivé 11 l'année. Demande d'autorisation en urgence là qui adressé à l'agence américaine médicament FDA pour une dose rappel 10 microgrammes. En cas réponse positive FDA, Centre prévention et lutte contre maladie au CDC, principale agence sanitaire fédérale pays, yo doit bon côté pa yo bay recommandation yo avant yo bay première injection yo a timoun yo. Yo demande pareil autorisation à voye dans prochain jour yo bay agence européenne médicament EMA. Nouvelle génération vaccin contre COVID là qui bivalent ciblé à la fois souche originelle coronavirus là ak lignage BA.4 mais tout BA.5 variant Omicron qui représente pour kounya plus passé 90% contamination pays États-Unis. Si timoun yo moins touché dans COVID-19 là passé adulte yo plusieurs centaines nan yo qui gen entre 5 et 18 ans mouri États-Unis depuis commencement pandémie d'après chiffre CDC. Fin mois août FDA te bay autorisation pour version vaccin Pfizer BioNTech ak Moderna qui ciblé Omicron. Et puis CDC te après recommandé ça qui te ouvert route pour une autre campagne rappel. Le chapitre là qu'il dit Fabienne Cola c'est récipient des prix visionnaire pour l'année 2022. En côté collaboratrice nous Marie Farah Fortuné qui a porté plus de détails pour nous. Dimanche 25 septembre 2022, canadienne d'origine haïtienne, native Port-au-Prince, actrice, productrice cinéma mais tout réalisatrice Fabienne Cola 43 l'année. Recevoir prix visionnaire dans la catégorie cinéma dans premier Legacy Awards qui organise pays Canada pour parcourir mettre expérience dans le domaine cinéma.